voici de Charles Dumont et de Alain Gilet Pétraud. L'amour est une canicule. Il rit quand on... La meilleure méthode de contraception, c'est pas la pilule, la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pédé. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée, et dites donc merde à la pharmacopée, et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des Mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal, c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez pédé. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe. Il ne faut pas que ça devienne un complexe. Pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute simplicité. Non, restez assis, c'est une image. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné statique. Croisons nos pénis et que nos vagins tout autour du monde se donne la main. Là aussi, c'est une image. Hein, c'est de l'utopie. Il n'y a pas de phallocrate chez les escargots. Prenons des leçons chez nos frères animaux qui baissent en même temps qu'ils se font baiser pour rattraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. C'est bien observé. Hein. Oh, combien d'unions hétérosexuelles se sont achevées dans les bris-vaisselle. Pour freiner le flot des mariages bâclés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. Fini les divorces devant la justice, qui n'a pas à foutre son nez dans nos cuisses. Les repas de mariage et les parents heureux de voir que leurs enfants vont se faire chier comme eux. C'est bien observé. En tant que philosophe, je prétends que l'amour est une bien belle chose, et j'ajoute que pour endiguer le flot des culs refoulés, il n'est qu'un remède, soyez pédé. C'est contre nature, dit le dictionnaire. Ça ne l'est pas plus qu'une centrale nucléaire. La seule chose qui soit contre nature, c'est les cons qui nous empêchent d'aimer qui nous plaît.